On les donne dur, hein. Ouais, bah on est déçus après. On a joué face à une belle équipe de Rennes qui était très déterminée, mais après son match en Europa League, nous on n'a pas su répondre et mettre les ingrédients qu'il faut. On est dans une passe très difficile maintenant. Voilà, on a deux matchs importants qui arrivent, je pense, face à des concurrents directs. Il faut qu'on fasse le plein de points et le plein de confiance. Le poids du résultat, la pression du moment, je pense qu'il va falloir javeliser un peu les têtes, non? Oui, après, comme j'ai dit, hein, pour qu'on passe à autre chose, il va falloir qu'on reprenne des points. Là, on va jouer des équipes qui peuvent paraître plus abordables. Il va falloir répondre présent. Alors là, ce sera des matchs difficiles. Ils sont devant nous. Nous, c'est à nous d'aller chercher des points et de sortir de cette situation qui est compliquée. Pas facile, hein, quand on enchaîne des défaites comme ça. Non, c'est pas facile. Après, venir ici, c'est difficile, on le sait. Ils ont des très bons joueurs, mais voilà, je pense qu'il faut surtout qu'on se concentre sur nous-mêmes et qu'on se recentre sur nous et sur le groupe et qu'on en fasse encore plus. On fait des bonnes semaines de travail, pour l'instant ça ne paye pas, mais il faut qu'on garde cette unité de groupe et qu'on aille faire un résultat à Clermont. Ah, c'est dur d'être dans le dur, hein. Ouais, c'est difficile. Il faut relever la tête parce qu'il y a, bon, y a du boulot, il y a deux matchs très importants qui arrivent. Et justement, il va falloir prendre des points sur les deux matchs. Alors, ce soir à Rennes, on est d'accord, nous perdons contre plus fort que nous. Oui, on perd contre plus fort que nous. Par contre, il y a des regrets. Quand même, il y a des regrets sur cette première mi-temps. Parce que j'ai pas vu le jeu qu'on espérait mettre en place. On savait qu'il fallait être très rigoureux défensivement, avoir beaucoup de discipline. Mais on savait que si on voulait les inquiéter, il fallait être bon dans l'utilisation du ballon. Et en première mi-temps, on n'a pas été bon. Est-ce que c'est une équipe, est-ce que notre équipe doute, Romain? Ah bah oui, enfin doute, oui et non, parce que bon, on est dans une situation où c'est sûr qu'il y a un peu moins de confiance. Donc on enchaîne une série de défaites. Mais justement, mon job, ça va être de laver les têtes à ce niveau-là et de leur redonner confiance. Parce que sur la deuxième mi-temps, il y a quand même des choses intéressantes. On se crée deux occasions. J'aurais aimé qu'on revienne à 2-1 pour voir comment allait réagir cette équipe de Rennes, les faire douter un peu. Mais malheureusement, on n'a pas réussi à marquer ce petit but pour nous relancer. Merci.